Monsieur le Président, durant le segment de haut niveau, le représentant de l'autoproclamé commandeur des croyants a consacré le tiers de son intervention à l'attaque de mon pays, pour la simple raison que l'Algérie se montre attachée à la légalité internationale, solidaire d'un peuple qui refuse l'occupation et le fait accompli de la colonisation et qui demande depuis plus de 4 décennies l'organisation d'un référendum d'autodétermination en faveur du peuple de ce territoire enregistré au niveau des Nations Unies comme un territoire à décoloniser. Il est affligeant que le représentant de la monarchie marocaine s'est évertué à donner à notre plénière une image idéalement satisfaisante des performances de son pays, alors que depuis des semaines, les manifestants occupent les espaces publics de 50 villes marocaines pour dénoncer la rapine, la prédation et l'injustice sociale, dévalisant les commerces alimentaires et réclamant le changement, événement passé sous silence par un embargo dont les médias qui scrutent pourtant les horizons et qui se disent indépendants, si prompts à rapporter l'actualité du jour, font preuve d'une incroyable cécité. Nous savons tous que ce royaume, faussement constitutionnel, maquille ses bilans, y compris ceux de droits de l'homme. Il traverse les réalités induites par l'occupation militaire d'un territoire pour lequel il ne dispose pas de titre de propriété et que lui a rappelé aux maintes occasions la Cour de justice européenne dans ses récentes décisions. Il manipule l'opinion publique internationale, réprime violemment ses opposants, y compris par sa police numérique, et espionne, grâce au sinistre logiciel Pegasus, ses propres alliés, dont ceux ici de la place diplomatique de Genève. En somme, il a construit et monté, comme tout le reste du château, une industrie du mensonge adossée à une machine à Audimat pour